dirige-moi, éclaire-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton amour. Ne m'oublie pas. Et au dernier jour, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand la mort nous frappe, nous sommes tous bouleversés. Pourtant, la mort, c'est le terme naturel de la vie terrestre, même si elle peut paraître injuste. Pour la famille et les proches, c'est une rupture douloureuse, parfois tragique. Face à la mort, il est difficile de s'exprimer et de parler. Devant le désespoir, on se sent toujours petit. Heureusement, le cœur humain se révolte face à cette interprétation. Car elle nie, cette interprétation nie l'attente du cœur vers l'infini et l'éternel. Lorsqu'on perd un être cher au-delà du chagrin, une force en nous nous dit que la vie ne finit pas avec la mort. Notre cœur nous dit avec certitude que ce n'est pas la fin de tout. Et même le mot cimetière, qui vient du latin ecclésiastique cimeterium, tiré du grec cimeterium, c'est le lieu où l'on s'endort. Et cela rappelle la parole de Jésus qui dit à ses disciples, « Notre ami Lazare dort, je m'en vais le réveiller. » Et à cause de cela, le christianisme, c'est la religion aussi qui nous aide et qui ose regarder la mort en face. Car la mort est vécue par rapport à la mort du Christ. Elle sait fixer l'espérance en sa direction. Et pour tous, c'est là un défi. Mais un défi qui aide à vivre et qui, de fait, nous mène tous à la vie. Grâce au Christ, la mort chrétienne a un sens. Par le Christ, tout a pris un autre sens. En effet, même Saint Paul dit, « Pour moi, la vie c'est le Christ et mourir est un gain aux Philippiens. » Il dit aussi, en parlant à Timothée, « C'est là une parole certaine, si nous mourons avec lui, nous vivrons avec lui. » La nouveauté essentielle de la mort chrétienne est là. En effet, par le baptême, le chrétien et par ce sacrement, il est configuré au Christ, il est plongé dans la mort et la résurrection du Christ pour une vie nouvelle. C'est lui que je cherche qui est mort pour nous, lui que je veux qui est ressuscité pour nous. Mon enfantement approche. Laissez-moi recevoir la pure lumière. Quand je serai arrivé là, je serai un homme, disait Saint Ignace d'Antioche. Et dans la mort, Dieu appelle l'homme vers lui. C'est pourquoi le chrétien peut éprouver envers la mort un désir semblable à celui de Saint Paul. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ. Et Sainte Thérèse dit, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Et avec le pape, le saint pape Jean-Paul II, qui dans les derniers instants disait à tous ceux qui étaient autour de lui, laissez-moi retourner vers la maison de mon Père. Et la liturgie chrétienne célèbre les funérailles de celui qui a été plongé dans la mort et la résurrection du Christ au jour de son baptême. Et cela s'exprime par des rites. D'abord, la préface des défunts, qui dit ceci. Pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite.
elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. Et donc il y a ce moment préparé par l'Église pour accompagner ce deuil, l'aspersion du corps par l'eau bénite. En effet, celui qui nous a quittés, c'est un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui a été aimé de Dieu depuis toujours. Et le rappel du baptême nous rappelle que cette personne décédée est unie au Christ. Il y a aussi le siège pascal. Et le siège pascal est brûlé pour la première fois, allumé pour la première fois à Pâques, au jour où Jésus est ressuscité. Et c'est ce siège qui est à côté du défunt pour rappeler que la résurrection brille au-dessus de lui, est avec lui. Et c'est tout le signe que l'on a quand on allume un siège sur le siège pascal. C'est recueillir cette lumière, la placer autour du défunt pour dire que la résurrection du Christ l'entoure et entoure la famille entière. Et cela aussi rappelle que cette lumière du Christ ressuscité est la source de notre espérance. Il y a aussi le rite de la croix que l'on met à la tête du défunt, car Jésus est mort sur ce bois de la croix, ce bois infâme qui est devenu le bois de la vie, qui si nous rappelle cet arbre de vie du jardin d'Éden, avec comme fruit le Christ lui-même. Il y a ensuite l'encensement, qui est aussi un signe de respect pour le défunt, et qui symbolise la prière qui monte vers Dieu. Les psaumes sont là pour nous l'exprimer. Et à chaque fois, nous entendons, le psalmiste dit, « Ma prière monte vers toi, Seigneur, comme un enfant. » Accueille, Seigneur, le parfum de cet encens de nos prières. Et nous mettons beaucoup de fleurs. Les fleurs sont signes d'amour, de fraternité, de solidarité. Elles sont aussi signes de vie sans cesse renouvelée qui se continue après la mort. D'où l'importance des fleurs fraîches qui nous rappellent que ce n'est pas pour un moment seulement. Il faut renouveler ces fleurs tout le temps. C'est un peu le renouvellement et l'espérance de notre foi. Il arrive même parfois que l'on garde un objet familier qui nous rappelle le lien qui nous a unis avec le défunt. Et je voudrais simplement faire un petit témoignage personnel. À la mort de ma mère, j'étais au Canada. Je suis donc revenu juste pour ses funérailles. Et en rentrant dans la chapelle, quand j'ai vu son corps, j'ai vu entre ses mains un ranou, le livre de prière. Et j'ai vu que ce ranou était bien vieux, un vieux ranou. Je l'ai pris dans mes mains, j'ai ouvert et j'ai vu que il y avait ma photo à l'intérieur, complètement délavée, où je serrais ma mère dans mes bras. Et là, j'ai vu qu'elle avait ma photo tout le temps quand elle récitait les prières. Et je me suis mis à avoir dans mon cœur un grand merci, merci, car je garde toujours ce livre avec moi, qui me garde en lien avec la prière de ma mère. Le cimetière, c'est le lieu où l'on dort. C'est un lieu. Un lieu, le cimetière, qui nous fait mémoire. Dans la foi chrétienne, il y a quelque chose de fantastique que Jésus nous a laissé, qui est celui-ci. Faites ceci en mémoire de moi. Et une fois qu'il nous a quittés, qu'il est assis à la droite du Père, nous continuons par l'Eucharistie. Non pas en célébrant plusieurs Eucharisties, mais la même, celle célébrée par le Christ. Et le prêtre lui-même devient justement un nouveau Christ, in persona Christi, qui fait mémoire. Ainsi le Christ est rendu présent. Et nous avons besoin de ce corps, de ce lieu qui nous rappelle le lien qui nous unit, qui nous rappelle aussi la force de l'incarnation du Christ. Jésus a pris chair, Dieu s'est fait homme, dans un corps d'homme, et aujourd'hui, assis à la droite du Père, il y a le
corps d'un homme, Jésus. Ainsi, le corps n'est pas simplement voué à disparaître. À la différence de la crémation où on brûle, nous avons beaucoup de respect pour ceux qui demandent cela, mais où les cendres sont dispersées et nous perdons le sens de la mémoire vivante. Et ayant accompagné plusieurs personnes, j'entends souvent ceux qui ont eu une personne disparue ou n'en a pas retrouvé le corps. Ils nous disent toujours ceci: je ne peux pas faire le deuil car je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas touché. D'où l'importance pour nous chrétiens d'être à l'image du Christ qui lui-même a été dans un tombeau. Et ce tombeau est toujours visible à Jérusalem. Et à l'entrée de ce tombeau, nous pourrons voir, il n'est plus ici, il est ressuscité. Mais au moins le lieu reste présent pour mémoire. Ainsi, il y a ce premier état de vie qu'on appelle donc le purgatoire et qui est un état de purification. Et ce qui est important, c'est de savoir que cet état du purgatoire, il est rappelé par les textes en fin de compte, où on dit qu'ils seront purifiés comme par le feu. Nos œuvres sont comme de l'or, de l'argent, du bronze et de la paille, dit saint Paul. Eh bien, ils passent par le feu et il y en a où rien ne reste. Toutes les œuvres ont été consumées, mais ayant passé par le feu, ils se retrouvent dans les mains de Dieu. Et cet état-là, Jésus aussi va le dire, et très clairement quand il va dire tu vas aller dans un lieu où il y a des grincements de dents et tu paieras jusqu'au dernier centime. Tant qu'il y a quelque chose qui se fait et qui est donc du domaine de la purgation, de la purification. Et cet état pour l'Église, c'est l'Église souffrante. Mais cette Église souffrante ne peut plus rien pour elle-même. Et c'est l'Église combattante que nous sommes. Nous, les chrétiens vivant sur la terre, qui par les eucharisties, qui par les prières, peuvent donner un peu de repos et de fraîcheur à ces âmes de nos fidèles défunts qui sont dans cette église souffrante. C'est donc ce lien énorme qui nous rattache les uns les autres, qui s'appelle la communion des saints. Mais cette communion ne s'arrête pas aussi là. Cette communion aussi passe à cette église triomphante, cette église glorieuse que l'on retrouve dans l'Apocalypse où on dit « Et je vis une foule immense dans le ciel, vêtue de blanc, palmes à la main et qui chante gloire à Dieu. » Et dans un autre passage où on dit « Je vois les âmes des fidèles qui ont lavé leur sang dans le Christ, qui sont sous l'autel et qui présentent leurs prières pour les saints. » Ainsi nous voyons dans la parole de Dieu comme une eau vive qui circule entre ces églises, l'église triomphante qui déverse sur nous ses grâces et nous qui intercédons pour cette église souffrante. Ainsi c'est l'eau de l'amour, la grâce de Jésus qui féconde cette église, ces églises, l'église combattante, l'église souffrante et l'église triomphante. Dieu est miséricorde, il fait miséricorde à tout. Et cela, on ne peut pas lui retirer. Mais dans la parole de Dieu, il est dit aussi que quand on commet quelque chose de terrible, il nous rappelle par une image, il disant, tu seras mis dans un lieu où il y aura les grincements de dents et les souffrances, et tu paieras jusqu'à ta dernière, de dernier centime. Oui, dans la vie humaine, il y a, par exemple, et notamment ici en Polynésie, quelque chose de grave. C'est ces problèmes de terrain indivis, où les familles se divisent, s'insultent, se haïssent, jusqu'à ne plus se voir père, fils, frère et sœur. Et cela reste parfois de génération en génération. Voilà. Peut-être une dette difficile parce que les personnes qui n'ont pas voulu partager pour les enfants, pas. Mais la dette, elle est là. Elle est là. Et la dette, elle est vécue de manière douloureuse. Et justement, l'Église nous dit, il y a un moyen.
c'est de prier pour ces personnes, mais en même temps, de retrouver la paix entre nous. À ce moment-là, il aura lui payé jusqu'à sa dernière dette. On ne peut pas entrer au ciel avec des centaines de personnes de ta famille, car on dit bien, rien d'impur est compatible avec Dieu. Rien d'impur n'est compatible avec Dieu. Donc il est bien clair que si nous commettons ce genre d'acte, eh bien, la responsabilité n'est pas seulement aux enfants, elle est aussi à celui qui a oublié d'aimer. Il y a aussi, quand on parle de cette purification, nous pourrons peut-être nous demander, oui, mais comment ça se fait? Parce que vous, les chrétiens catholiques, vous y croyez en ce monde, en ces choses merveilleuses, mais nous, on est loin de tout cela. La vie d'un homme est comparable à une seconde dans un siècle, si on le mesure au temps, aux milliards d'années depuis la création du monde. Car les scientifiques disent que la Terre a 7 milliards d'années, ou je ne sais pas combien. Mais qu'est-ce que c'est que 80 ans sur 7 milliards d'années ou plus? C'est une seconde dans un siècle. Maintenant, Dieu ne peut pas nous avoir créé une seconde après avoir créé l'univers si grand et si beau. C'est que nous sommes faits à son image. Et en nous est inscrit par cette image et ce qu'il est, un goût d'éternité. Il nous a fait pour lui, il nous a fait pour l'éternité. Ainsi, quand on vit dans la foi, on se rend compte que la nature, la création qui est autour de nous est une lumière pour notre vie. Mais surtout, que ma vie ne peut pas avoir ce goût de finitude simplement, mais qu'elle a un goût collé au Christ. Et la mort du Christ et le retour du séjour de mort est une puissance qu'on ne peut pas retirer à un chrétien. Et c'est pour cela que le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Toute sa vie est lumière, toute sa vie est éclatante. Et elle nous laisse à travers ça que le passage se fait par lui, avec lui et en lui. Et peut-être aussi, quand on parle du purgatoire, je me souviens d'un ami qui me disait ceci. Tu sais, Médéric, il faut que je te dise quelque chose. Tu t'es trompé de chemin. Dieu, c'est tes mains. Tu n'as besoin que de tes mains. Ce sont tes mains qui te donnent du travail. Tu n'as pas besoin de faire toutes tes prières. Tu perds ton temps à aller à gauche et à droite. Qu'est-ce que tu récoltes? Voilà Dieu. Dieu te donne de l'argent et de quoi manger. Et moi, voilà mon Dieu. Et je lui ai dit, il n'y a qu'une chose que je peux te dire. Je suis un homme heureux et cette joie, rien ne me retirera. Quelques années plus tard, je reçois un coup de fil et on me dit de rendre visite à cet ami à l'hôpital. Je me suis rendu dans sa chambre et juste en entrant, j'ai été scandalisé car il a eu un accident et il a eu les deux mains qui ont été amputées. Et en me voyant, cette image de ce qu'il m'a dit m'est revenue. Et lui aussi, quand il m'a vu, il s'est souvenu de cette image, de ce qu'il m'avait dit. Et il m'a dit, simplement en me regardant, « Je sais, tu vas me dire, où est ton Dieu ?» Non, c'est toi qui as raison. Dieu est dans ton cœur. Un deuxième témoignage, peut-être que je voudrais aussi dire, c'est le témoignage de mon propre frère. Nous avons eu une femme, une famille chrétienne. Mais à un moment donné, mon frère s'est fourvoyé complètement jusque dans la franc-maçonnerie. Et il a complètement tout quitté. Il a même essayé de me convertir, d'essayer de m'attirer. Et je lui ai simplement dit, c'est toi qui reviendras à Dieu. Car maman a toujours prié. Et sa prière ne laissera pas sans fruit. Et tout d'un coup, il a eu une crise cardiaque. Et je me souviens, je reçois un coup de fil à 6h du matin, me disant, ton frère est mort. Je suis venu ici, dans cette chapelle, en pleurant et j'ai pris ma guitare et j'ai chanté « Souviens-toi de moi ». C'est là que j'ai écrit. C'est pour lui que j'ai écrit ce chant. Et j'ai crié vers Dieu « Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton amour, ne m'oublie pas ». J'ai laissé ma guitare, j'ai écrit et je suis parti à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, l'infirmière et ma belle-sœur dit « Il est revenu à la vie ». On pensait qu'il était complètement parti et en fin de compte, il est revenu à la vie. Et j'ai attendu une heure après, je suis allé le voir et voici ce qu'il m'a dit.
je veux me marier, revenir vers Dieu. Il a fait son mariage, il a refait sa communion, sa vie en Dieu, et il est mort un an après, réconcilié avec Dieu. Alors je voudrais dire simplement à tous ceux qui se sont un peu éloignés, ou même des personnes qui peut-être doutent, oui, Dieu nous a dotés de tout, mais Dieu est le tout autre, qui est pourtant tout pour nous. Ben, cette certitude de foi, elle est d'abord une certitude qui se colle à la parole de Dieu. En effet, Saint Paul nous dit, on croit au Seigneur parce qu'on l'a enseigné la parole de Dieu. La foi naît de la prédication. Et si personne ne me prêche la parole de Dieu, comment croirais-je? Donc il y a une chose certaine. J'invite simplement les personnes à ouvrir un tout petit peu son cœur au-delà des yeux qu'ils voient, au-delà de leur petit univers, et d'accéder à la parole de Dieu, qui n'est pas une parole pour nous condamner, car c'est un Dieu d'amour. Revisiter la parole aujourd'hui pour ceux qui ont abandonné et redécouvrir que Dieu t'appelle et qu'il t'appelle non pas pour un bonheur de 20 ans, un bonheur de 30 ans, un bonheur de 50 ans, même 90 ans. Qu'est-ce que c'est 90 ans si les 20 dernières années, on les passe Alzheimer, fatigué, paralysé? Mais si le Christ est dans ton cœur, si cette certitude qui t'habite est vraiment profonde par la parole de Dieu, alors quel que soit l'état dégénératrice de ton corps, il y a une puissance de vie qui garde cette vie. Et je peux aussi terminer par ce petit témoignage de ma belle-mère qui aujourd'hui a 94 ans. Une femme de foi qui a eu 11 enfants. Et c'est la mère de mon épouse. Et bien, ce qui est extraordinaire, c'est de voir cette femme complètement malade, complètement recroquevillée, mais continuer à chanter sur son lit des cantiques protestants de l'amour de Dieu. Et elle murmure dans sa vie, tout le temps quand tu arrives, tu entends murmurer, pas d'autre chant que cette croyance en Dieu. Et des fois elle dit, oh je suis fou, quand est-ce qu'il viendra? Voilà, c'est tellement extraordinaire quand on voit souvent la plupart des personnes qui ont perdu Dieu crier leur douleur sans aucune espérance. Je voudrais juste vous dire, 94 ans, plié en deux, complètement malade, murmurer l'espérance d'une vie éternelle. Le curé d'Ars lui-même est quelqu'un qui s'est tellement engagé dans la foi que quelqu'un lui a dit à un moment donné, « Père, si j'en mets l'autre côté, il n'y a rien. Tu auras perdu toute ta vie à vivre comme cela. » Et le curé d'Ars lui répond à cet homme, « Vous savez, si jamais à la fin il n'y a rien, mais j'aurais été heureux d'avoir fait ce que j'ai fait et d'avoir rencontré des dizaines de milliers de personnes qui ont trouvé un peu d'espoir, un peu d'espérance, de guérison et de paix. Mais s'il y a quelque chose de l'autre côté, alors je serai heureux car j'aurai tout compris. Dans les deux sens, je suis gagnant. Mais en tout cas, je sais que quelqu'un m'attend. C'est celui que j'ai aimé et que j'ai essayé d'aimer et qui m'a aimé, lui, le premier. » Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi, éclaire-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Souviens-toi de moi, Seigneur.